Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les 100 abonnés, ça fait super plaisir. Donc c'est un premier palier petit, on est d'accord. Mais ça commence plutôt bien pour la chaîne. Et voilà. Donc j'ai pas rush le ladder, j'ai juste fait une petite game, comme ça je vais vous la montrer en replay. Donc je préfère rush en off. Pour être plus concentré et vous montrer ensuite les replays. Donc c'est un deck cochon. Donc on va regarder ça tout de suite. Et j'ai donc passé la barre des 6700 trophées. Donc encore assez tôt dans la saison. Donc c'est plutôt cool. Mais je pense que il va falloir monter assez haut pour rentrer dans le top France et dans le top monde cette saison. Puisque c'est une saison assez longue. Donc l'adversaire qui part géant squelette. À gauche, moi je décide de mettre un petit ballon de reconnaissance comme d'habitude. Et donc là, évidemment, je devine qu'il a une tornade et qu'il va activer la tour du roi. Donc je pense que c'est pas très grave, ça change pas grand chose à la game. Donc là, je mets un PK pour gérer proprement le géant squelette. Il va mettre un sorcier glace assez spécial. J'ai pas trop compris pourquoi il l'a mis ici, mais c'est pas grave, c'est plutôt gratuit pour nous. Donc là, notre adversaire qui fait all-in à droite, je m'y attendais pas du tout. Donc je mets un petit cava bélier pour freiner le cochon et les squelettes pour aider. Et notre cava bélier qui va faire un taf encore monstrueux sur la tour. Ça force une tornade. Et notre adversaire qui a rien pour gérer les squelettes à part la tornade, et ça c'est plutôt cool. Donc là, je m'installe fond de terrain avec le bourreau. Je sais qu'il a forcé, que je suis en avance en élixir. Donc là, je m'installe et je vais pouvoir placer un petit ballon devant avec le sort de rage. Donc il va mettre une belle boule de feu qui prend le bourreau et le ballon. Mais son sorcier de glace qui focus le bourreau, et ça c'est plutôt cool. Ça permet au ballon de détruire la tour et à la mettre à 100 PV. Donc la game qui se passe plutôt tranquillement, là je sais que j'ai juste besoin de défense et de faire connecter soit les dégâts de mort d'un ballon, soit un cava bélier. Donc vu les dégâts que je lui ai déjà mis, je pense que c'est faisable. Donc je vais mettre un cava bélier tout de suite pour régler ce problème là. Et ensuite je vais me concentrer sur la défense. Donc je mets un bourreau fond de terrain, le cava bélier qui connecte et qui prend la tour. Et là je vais pas aller chercher le 3 corps ni rien, je vais juste défendre tranquillement. Là on commence à être assez haut en ladder, on évite de faire des erreurs gratuites pour l'adversaire évidemment. L'adversaire qui met une très bonne tornade, mais je vais mettre une Valkyrie à temps. Et on peut voir qu'à droite ça a été géré plutôt tranquillement aussi. Et là notre adversaire qui va essayer de placer des petits push, mais sans gravité pour nous, heureusement, on a fait des défenses plutôt carrées. Voilà la barre des 6700 trophées qui passe plutôt facilement. Donc là évidemment je mets un PK pour contrer les géants squelettes. Et notre adversaire qui comprend bien que c'est game pour moi. Et donc je suis pour l'instant encore dans le top 750 France. J'ai fait qu'une seule game depuis la dernière vidéo. Et donc évidemment j'ai redescendu puisque les autres ont monté. Et là je suis 739e France. Donc c'est plutôt correct étant donné que j'ai pas forcé plus que ça. Donc le prochain palier évidemment c'est les 6800 trophées. Donc je vous remercie encore énormément pour les 100 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir que mon contenu vous plaise. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.